aventure. Alors voilà, c'est le départ pour les Tsing. Ils sont en train de faire les papiers pour le guide. Bon, on a bien dormi. L'hôtel le plus cher du monde pour l'instant, c'est normal, c'est tenu par un cul blanc. Petit tir au sanglier, alors on lui paye ses cartouches, les murets, la grue, tout ça quoi. Cela dit, c'était pas mal. On a juste escroqué sur les clopes, deux fois le prix. Parc national Tsingy de Malam. On va essayer, nous voilà partis en route pour de nouvelles aventures avec Augustin. Tant, 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 tant. On va à Saint-Augustin. Et toujours le fidèle sauce bag de Morondava. C'est de là-bas qu'il vient. Hein ouais. Et oui, là donc faut pas déconner. Tsingy de Bémara. C'est quand même un site au patrimoine mondial. Alors. On va voir, pas déconner. Ah, ça va être cool ça. Non Ludo, tu n'as rien perdu. Pas encore. Si tu coupes pas et si vraiment il y a un cas désespéré, t'appelles l'hélicoptère, viens chercher et l'emmène à l'hôpital. Et t'es payé de misère. À l'époque où j'avais été, t'étais payé de misère. Et attendez, en plus, t'es entre les canaques, je te dis pas la tête. En sachant que le soir, comme ils vivent du RMI, ils font que picoler de la bière. Putain, t'es dans une insécurité. Bon, moi, j'ai un temps pour La star. Bon. Allez, on va voir Sting. On va voir les Sting. Les courbes soigneusement comme ça, les dents. Il est pas beau quand on montre avec les dents pointées comme ça, les Sting. Pour respecter les esprits des ascendants qui habitent ici. Alors, pendant notre balade, lorsque vous voulez poser des questions, n'hésitez pas de me demander. Parce que, en tant que je suis votre guide, je pourrais répondre à votre question. Mais pendant notre balade aussi, lorsque vous voulez faire le besoin en cas d'urgence, n'hésitez pas de me demander parce que je connais l'endroit qu'on peut faire le besoin sans risque. La fumée des cigarettes n'est pas permise durant notre balade. Mais quand on arrive à l'endroit des pauses, vous pouvez fumer. Vous aurez le droit de fumer. Si on arrivera à l'endroit des pauses. Ok. T'as compris? Eh oui, là. C'est comme si on était à Nantes. On est à la chambre du roi, chercher 2-3 champignons. Oui, tu fous la merde. Ne montre pas du doigt. Ah, pourquoi il faut pas faire ça, il a dit ? Ne montre pas c'est, du doigt. C'est une insulte aux il y a des esprits. Aux gens de la région. Ah. Bouge pas, bouge pas. On peut montrer du pied alors. Non, tu montres avec la main. Tu fais comme ça. Et oui, là. Et oui, là.
nous suis donc dans un montre pénétrant. Ah, on a un truc pour les maigles. C'est pour les maigres ici. Tching tching, tching tching, tching tching. Impression. Non. Tching tching, tching tching. Allez. Je pense qu'il ne trouve pas l'endroit humide pour rester en passant la saison 16. C'est pour ça qu'il est mort comme ça. Mais attends, l'escargot qu'il y a là-dedans, il est comment? Il fait cette taille, moi. Là, il est grand comme ça, l'escargot. Ici? Alors en fait, ça, c'est des escargots du coin. Et qui n'ont pas réussi à trouver l'eau pour la saison sèche, donc ils sont crevés. Voilà. C'est des monstres. Hein. Là, tu fais des escargots ici. Pour voir si... Oui. Racine de ficus qui pousse au bas des tignes. Il y a des feuilles là. Ah, il y a des feuilles. Combien il y a? 20 mètres? Ah, plus de 25 mètres de hauteur. Les ficus poussent là. Le mouvement tectonique et okay. Tout ça. Le sang. Il y a des trous, il y a des grottes. Et oui, là. Il y a des bulots d'eau douce. En voilà une. Interdiction de tirer des caisses, ça perturbe les esprits. Prends des lampes. La nuit noire, dans la nuit noire et obscure. Ouest, il y avait une érosion chimique de l'eau de pluie qui gratte la partie tendre de la roche calcaire. Sur le toit. L'eau de pluie mélange avec les débris blancs de la rose calcaire qui coule au long du paroi dans la grotte comme ici et tombe avec une goutte petit à petit pendant les moments il y avait 100 ou 150 ou 200 millions d'années. Et tombe comme ça, on dit stalactite. Lorsque tous les deux... C'est ça, c'est vert. Ah oui. C'est vert comme ça. Ah ok, d'accord. Je ne savais pas ça. Une colonne. Attention. Lui, il casse tout le film. Et oui, là. Tching tching, 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 tching. Mais ça monte, oui. Ça monte à perpète. Il a forme des bouteilles au début, après il donne de la liane
Et Charles. Ok, ouais. Vous voyez, on l'a terminé jusqu'à vous. On dit qu'il... Ça arrive au manque à la chambre du roi. Bienvenue dans les aventures de Martine à la plage. Viens, j'aimerais bien t'y voir là. Tu vas te prendre les couilles là-dedans. Dis-moi. La montagne est tellement jolie quand on grandit auprès d'elle. Annie en a fait son ami. Tu vois comme je souffle? Oh, t'es crapuleux. Ici, ça c'est l'utilisation locale pour faire la cadre de la charrette. Voilà, la cadre de la charrette à Jibi, la porte de la maison. Mais j'ai entendu qu'en ville, on utilise le bois d'ébène pour faire le meuble, l'armoire, la porte de télévision. Quand même chier. Hein. Et oui, là. Tu vas faire à ta. Et oui, là. Et oui, elle est en pleine action. Mais je suis emmerdé avec tout mon matos. Mais c'est un problème de. Oh, l'alcool, ouais, ça fait possible. C'est les abdos qu'on en bourre, moi. Là, voilà encore le bois de bois. Ça, c'est du bois à faire des placards, des meubles télé. Dedans, hein. Attention, les branches partout. De tout. Un peu l'arrière-pays. Et oui, Saint-Augustin. Il faut pas tousser parce que ça pique à cause de chez Gépine. Ah oui, c'est ça. Et les pandanus a son caractère unique avec ses racines comme les rougeaux, c'est bien fixé au sol. C'est pour ça. Ah ouais, c'est un truc de fou. Même en passant la saison de pluie, s'il y a des cyclones, parce qu'ici il y a le serpent, trois sortes de serpents, le vipère, la couleuvre et le boa. Mais si l'un d'entre eux trouve le trou déformé comme ça, il y entre et reste au fond pendant 2 ou 3 mois maximum. Et... Alors, voilà le champignon. Ah, c'est ça que je voulais voir. J'en ai vu l'autre jour sur la route. Chez nous, ça s'appelle les langues de bœuf. On peut les manger, ceux-là ? Les langues de bœuf ? Ouais. Ah, ici, les champignons, mais... Où c'est que mais... tu vois ? Et oui, là. Un œuf aussi, partout. Un bulot d'eau douce du coin. Un bulot d'eau douce. En fait, qui s'est pas planté pendant la saison des pluies, il crève de soif après. C'était souvent des Européens, mais oui. Des Suédois, Norvégiens, etc. C'est des populations qui sont très grandes déjà. Ah bon ? Et très corpulentes. Vous avez pensé que... On arrive au Grand Tsing 5 fois par semaine. Tu fais 5 fois par semaine, d'accord. Une fois par semaine. Et tu fais une randonnée par jour. Hein ? Une seule fois par jour. Concernant le circuit au Grand Tsing ici, parce que la combinaison de deux circuits dans le Grand Tsing ici n'est pas possible dans une journée. Ah voilà. Parce que c'est grand. Mais la tu te le fais.
Fa dièse. Attention la tête. Là, tu te mets en mode toboggan. Assieds-toi. Du rhum, de la bourbon, du pinard et tout. On a bouffé le rougail saucisse avec tout ce qu'il faut dedans, mais on s'est bien tassé le ventre. Et on est reparti pour 4 heures de marche avec le ventre plein. Putain, là, c'était dur. Oh, oh mais là, il a dit. Il faut brûler les oiseaux aussi, tant pis. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je disais, attends, on a les mêmes goûts. Toi, t'as bloqué les bruits d'oiseaux. Oh, mais moi, je veux pas du flash. Bah, il doit être automatique. Et oui, là. Les animaux ici, notamment concernant les lumières, il y a une relation étroite entre les fœtus et les lumières. Parce que les lumières mangent souvent le fruit des fœtus. Et à chaque après-midi, le groupe de lumières font une grande sieste. Pleine forme les gonzesses. On va peut-être voir des lémuriens. Si on a du cul. Bon. Il faudra très bien être à la ranotte. Ah, bientôt il n'y a plus de batterie déjà, faut se calmer. De retour dans les gorges du Verdon. Dans la nuit noire, dans la nuit noire et obscure. Nous aussi on dit une grotte. Quoi? Non, mais ferme-moi. Mais si, vous le faites vu comme jusqu'où ça va. Racine de figue. Regardez. Just à la petite. Oui, c'est lui. C'est beau. Ouais. Oh, maman, mais ça. Comme on les voit bien avec Nightshot, il fait nuit noire en fait là. Ça, c'est les racines qui passent à travers des rochers, truc de fou. Et pourquoi il n'y a pas des super bestioles qui vivent dans les grottes? Si, il l'a dit tout à l'heure. Des escargots. Des mangoustes et un rat spécial. Sauteur. Un rat spécial. Un racine qui monte comme un tuyau de pompage. C'est une racine. C'est une racine. Ah, c'est une racine. Et ouais, il a soif là, bon. C'est dingue, hein. C'est dingue. Il faut que je prenne. C'est fou, c'est fou. Je prends l'appareil photo à l'envers. Et là, c'est l'endroit où les gros ne passent pas. Coincé, faut enlever le sac à dos noir. Et voici la vie. On commence l'utilisation de notre centre de baudrier.
Monsieur, le vol 703 va décoller. Ah oui, quand même, l'appareil photo de là. Bon, je vais. On se rejoint là. Alors, avant de monter, je vais vous expliquer comment on utilise les ceintures de sécurité, surtout les deux mousquetons. Maintenant, nous voyons les câbles en haut. On accroche les deux mousquetons. On dit qu'il galère un peu. Martine à la go, bon, ça va. Ça, c'est chouette. Hein. Voilà. Ah, c'est du niveau 1 d'escalade, mais c'est chouette. Non, on est où, hein? Et voici Annie. Le jour se lève sur Tsing Tsing. Pas loin. Mais non. Je suis loin de lui. Et oui, Martine en pleine action. Pas l'air bien rassuré. Ah, c'est chouette. Et oui, donc voilà Annie. On ne devrait pas tarder. On voit le coin du chapeau là. Diego, elle assure normalement. Hein. Ah, Yannis, hein. On va monter au Belvédère, ça s'appelle. Voilà. Merci. Il faut dire merci aux arbres aussi pour ce qui nous aide à grimper. C'est pas partout qu'on voit ça. Hein. C'est pas partout qu'on voit ça, effectivement. C'est pas un autre. Hein. Non, là, c'est plus un autre là. Ça fait un peu les gorges de Dalouis plutôt. Bon. Ah oui, les gorges de Dalouis. Après 15 heures de piste, 12 heures d'avion, 3 heures de marche. Surtout qu'on leur a mérité d'arriver là, ouais. 5 THB. 5 THB. 5 THB plus tard, ils étaient là. Attends, ça va mieux. Incroyable. Là, on voit vraiment les, oui, les strates. On en voit partout, là, sans l'air. Ici, ça, c'est les champs de 136 mètres. 136 mètres d'altitude par rapport à la mer. Ah ouais, on voit pas mal. Là-bas, c'est encore plus haut là-bas. Hein. Et là, ça c'est encore plus haut. Mais... Tout, ça clique de partout. Allez, attends, je prends avec le mien. Comme ça, je t'enverrai une photo. Au secours. L'ouest, juste devant moi. Ok. Les canals de Mozambique, qui est presque à 60 km d'ici à l'ouest. D'accord. Et les petites signes. On trouve les bureaux d'accueil à 17 km d'ici au sud. Nous allons donc arriver au jardin suspendu bientôt. Martine en plein effort. Annie qui défonce tout. La place est... Oui. C'est quand même un truc. Hein. Moi j'ai 52. 50, je suis encore zen quoi. Mais la zone qui en a vu à 6, 70 ans. Vas-y, là qu'elle nous fait la quinquagénaire encore. On va la voir. Nous étions là. Bon, donc on arrive au jardin suspendu. Avenue Félix Faure. Non. On dirait la montée, celui-là. Non, mais regarde celui-là. Le soleil me casse le crâne. C'est vrai que c'est au point du... On s'est quand même fait chier pendant 300 bornes de piste de merde pour venir voir ces putains de rochers. Alors merde, alors. Un cactus à fleurs rouges, chez nous il n'y en a pas. C'est mais il y en a plein. Encore, mais c'est en ceinture. Attends. La mamie. Mais ça doit être serré ça. Non, mais te prends pas le chou. Hein. Et oui, voilà le jardin suspendu. Avant de marcher sur le pont, il y a un règlement.
règlement qu'on doit suivre, s'il vous plaît. Ouais. Il vaut mieux qu'on marche un par un sur le temps suspendu. Okay. Et après, n'oubliez pas d'accrocher le mousqueton sur les tables à côté gauche. Okay. Lorsque vous voulez prendre les photos, l'un qui garde la photo reste derrière. Et l'un ou l'une qui démarre la première. Eh bien oui, au cœur de l'action. Il y a un petit trou là. C'est là où tu fais tomber tes lunettes et tu sautes. Et voici la vie. Oh, ça bouge un peu, mais c'est rigolo. Séquence émotion, frisson. On a que derrière nous. Ça va, Augustin ? N'aie pas peur, Augustin, ça va tenir. C'est garanti par le ministère de l'Intérieur. Et voici notre Saint-Augustin qui arrive à fond la caisse. Ah putain, plus de batterie, merde. Et oui, là, un résistant. Nous arrivons donc aux grandes cathédrales, où nous, en direct de... Et oui, une bien belle mutation des rochers. Ah oui, oui, c'est bien parce que... Allez, plus de batterie. Voilà, c'est 47 degrés et demi. Ce bon Ludo nous attend. Et oui, là, petite chargeation du caméscope. C'est parce que il faut décharger la barge. On est pas prêt d'embarquer. C'est pas des violents du boulot. Ludo de la noche. Annie est crevée. C'est quoi la pancarte? Service de travaux publics de Montracalon, bac Malambolo. Manu mané, papou, pala papou. Eh dis donc, tu trouves pas qu'elle est barge, cette barge? Elle est bonne, hein? Voilà. Les aventures de Ludo Tonardi et de Martine à la plage. Oui, nous voici en compagnie d'un super Johnson 40 volts. Pompe de cale maison. Quand c'est plein, bah, tu prends, tu vides. On s'en fout, demain on peut partir tranquille. En route pour de nouvelles aventures. On doit traverser le Tirinimimi. Non, ici c'est le Malambolo. Malambolo ? Ouais. Le top. Ça vous dérange pas si c'est samedi et que je suis pas là en train d'ouvrir des huîtres, hein ? Non, ça vous dérange pas. Hein. Franchement, pour rien au monde. Bon. Ta gueule, Lantoise.
As-tu préparé mon préavis au licenciement? Hein, Christophe? Tu me le fais, mon papier? À qui tu parles? Au canard. Ouais, déclaration préalable à l'embauche. Je sais pas qu'est-ce que c'est. Elle doit savoir, elle. C'est quand même super coolos. Hein. Ça y est, on sent les chevaux, là. Eh bien oui, en route pour de nouvelles aventures. Bon, ça rate un peu, mais c'est bon, c'est bon. Nous sommes donc en mode propulsion par l'arrière. 370 fois 40. Vous n'avez pas comme ça, mais... Voici la cité U. En fait, quand il y a la saison des pluies, vu que l'eau monte vachement plus haut, c'est juste des cabanes d'été, ça se met. C'est comme les îles de l'Hérens en rustique. Le saut de Martine. Non, 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 non. Non. Non, mais oui. Tu peux le faire, tu peux le faire. Mais pas tout sur la tête. Ben ouais. À chaque fois, on monte en premier, on se fait niquer. Et voilà. Oumanou mané, pala papou, pala poupou. Bon, tant que Ludo il finit pas dans l'eau. Il y a quand même 90 bornes de pistes de merde à faire. Sauf les 20 derniers kilomètres. Un gros tabernacle ou pas? T'as l'empêche, c'est vachement beau. Une bien belle machine. Ah. T'as vu comme il fume noir? Ouais. C'est le gasoil qui est... Oh putain. Belle machine, mais... Ah, c'est les joints des queues de soupape. Enfin... Ah, attention, les aventures de Ludo Tonazzi continuent. Avec Martine copilote. En direct de Renault Assistance. Clutch! Nickel! Nouma, mais. Impeccable! Il a laissé le pare-choc sur place? Peut-être. Les nouvelles aventures de Martine à la plage. Mode Congo. Eh bien, oui, en route pour de nouvelles aventures! En direction de Bello Autoroute. Nous sommes partis. On a resserré tous les boulons, on peut tout prendre à fond. Hein. C'est pas vrai, mais faut pas le dire. Pour donner confiance à Ludo. Elle était jolie, hein. Elle était si jolie. Oh. Ouais. En vrai, on retourne à Mad Max. À Mad Zébu, en fait. Vachement bien. En direction de Morondova, saucisson typique d'âne de Zébu du pays. Le passeur, il applique. Eh bien oui, en direct de Nicolas Bulot. Je sens que cette THT va très vite se réchauffer. Je serais d'avis de s'en occuper tout de suite. Et oui, tandis que nous pouvons voir là... Putain, il y en a encore moins pour 5 heures là. Mais franchement, ça valait d'être si bien.
c'est quand même un lieu exceptionnel. Au bout de 5 heures, quand tu auras ton steak de zébu bien, voilà, avec la bonne sauce au poivre, tu seras bien content. Steak au poivre de zébu. Il y aurait eu sauce roquefort, j'aurais pris. Ou alors sauce champignon à la crème, oh oui. Allez, on arrive. Putain, c'est samedi soir, c'est la teuf. En direct du Camel Trophy. Non, mais ça va, il y a de la place. On revient. Mat Zébu. On passe à demain et on revient. Allez, il est bonheur, ça va. Eh bien oui, on va manger à Mat Zébu. Tout, en route pour nouvelle aventure. Le croquant, on le voit pas dans la nuit. Hôtel Ménabé. Bon, c'est pas mal. Je vais m'attendre pour bouffer là. Eh bien oui, ils sont là. Allez, les Zébu. Ça se mange. Ah voilà, on va essayer le rhum jujube citron. Putain, ce qu'il a mis. Ils sont super sympas. Au top. Un vrai chef, putain. Voici donc le jujube citron du terroir. On va goûter. Le rhum typique. C'est plutôt sympa. Bon, on peut pas faire chier le croco. Il en vaut. Du coup, on va baptiser le chiotte. Ben oui, en route pour de toutes nouvelles aventures. Nouvelles aventures. Départ de vélo, on va prendre le marge là. Après, 3 jours de boule. Un tour, mais il n'y avait rien. Et oui, on met le plein. La station. En direct des nouvelles aventures de Ludo Tonia avec Ludo dans le rôle de Ludo, Luc dans le rôle de Luc. Elle est barge, cette barge. Hein. Donc c'est le départ de Bélo. Voilà. Passage du fleuve, comment s'appelle celui-là? Le Thierry Mimi. Ah la caissière. J'ai un kata alors, je les vois souvent, c'est beau. Qu'est-ce qu'ils sont beaux ce voile? Ah, vous avez un kata? Oui. Mais vous êtes venu de France avec le kata? Oui. C'est un super moteur. Ça c'est du bois, hein. C'est de l'embarcation ça. Même pas peur. Du coup, hein. Mais la courroie qu'après.